Kropta n'était que le début. Il n'était là que pour servir son père, chargé d'en finir avec la lumière. Le combat pour sauver l'âme de notre monde a fini en massacre. Le fils vaincu, nous avons déchaîné la colère d'Oryx, destructeur de lumière et corrupteur d'âme. Les ascendants de la ruche peuvent traverser la rupture. Pour atteindre Oryx, vous devez suivre les pas de son fils défunt. Transformez-vous en ascendant. Servez-vous du journal de Toland. Il m'a aidé lorsque j'étais emprisonné dans l'obscurité. Servez-vous surtout de votre arme, gardien. Vous retournez dans la pièce où il conservait l'âme de Kropta. Voici notre plan. Il faut voler un morceau de cristal de la ruche qui contient encore des traces de l'âme de Kropta, afin de pouvoir traverser un portail interdimensionnel sur le cuirassé et tuer Oryx. Eris, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il faut le faire avant qu'Oryx ne détruise notre dimension entièrement. Ça coule de source. Bonne chance, gardien. Le journal de Toland contient un nombre impressionnant de données. Je devrais le lire. C'est fait. Il contient des informations fascinantes. Un cuirassé éclipse la lumière du voyageur pour la ruche. En visitant ses recoins les plus profonds, notre lumière serait amoindrie comme celle d'un soleil mourant. Je pense que Toland n'était pas du genre comique. Si les esclaves continuent à se nourrir, l'essence de Kropta est toujours dans les parages.
disparu. Oryx vient de corrompre un ogre. Oryx ne peut pas contrôler un ogre sans qu'il ne soit corrompu. Dépêchez-vous, il me faut un morceau du cristal. On l'a. Je savais bien que c'était possible. Est-ce qu'il contient toujours des traces de l'âme de Kropta ? Selon mon analyse, il est vide. Peu importe. Revenez, gardien. Et nous pourrons détruire Oryx. Gardien, la connexion n'est pas bonne. Gardien, vous m'entendez ? Eris ? Cade ? On les a perdus. Quelque chose est en train d'entraver le signal, ainsi que notre téléportation. Parasite ! Ta lumière s'éteint ! Ils sont trop nombreux. Fuyez ! Sakiris s'est retrouvée prisonnière de la ruche. Je me demande si Toland savait où était la sortie. Eris, Cade, est-ce que vous nous recevez ? Toujours aucune connexion. Ça doit être comme ça qu'Eris s'est retrouvée prisonnière de la ruche. Je me demande si Toland savait où était la sortie. Faites-moi penser à sauvegarder ce journal.
Nous allons le perdre, tout comme Eriana. C'est Eris. Le signal semble gagner en intensité. C'est toujours mieux d'avoir une écaille sépulcrale en trop que de ne pas en avoir du tout. Sortez de ce gouffre! Il nous faut absolument le cristal, ou nous n'atteindrons jamais Oryx. Est-ce que c'est bien vous? Nous avons réussi à sortir. Le roi des corrompus tombera donc. Apportez-moi le cristal de son fils défunt. Je crois que ce qu'Iris veut dire, c'est... Merci. Nous sommes contents de vous avoir en vie.
biologique. Contrat clôturé. Skill Fenrir. Krampta a été son fils. Le cristal. Il faut maintenant l'imprégner de l'âme de Krampta pour pouvoir traverser la rupture. L'avant-garde a ignoré. Écoutez, Eris a peut-être un sourire gentil, mais elle s'en fiche que vous surviviez ou non. On ne peut pas laisser Oryx vous trouver encore une fois. Si vous voulez voler l'âme de Krampta, il vous faut un collier d'invisibilité. Pouvons-nous vous aider ? Bon travail.